plusieurs facteurs constituent le bien-être de façon séparée ou conjointe, à savoir la santé, la réussite sociale ou économique, la réalisation de soi, l'harmonie avec soi-même et bien d'autres, d'où son importance capitale. Quand nous sommes en situation de paix intérieure, on ne craint rien. On est dans ce qu'on appelle, ce que les philosophes appellent l'ataraxie. On ne va pas revenir là-dessus. C'est une paix intérieure que chacun ressent à un moment donné de sa vie. Vous êtes détendu parce qu'on est en paix avec soi-même. Il n'y a rien qui vous perturbe. Vous êtes vraiment, vous faites un travail, vous le réalisez correctement. Ça, c'est le bien-être psychologique. Même en période de trouble, les psychologues s'accordent à reconnaître que le bien-être est tout d'abord mental. Ce sont les émotions qui vont signaler, qui vont signifier au stress. Le stress va donc réagir. Et avant que le stress réagisse, c'est vrai qu'il y a la motivation qui va être là, la motivation à aller chercher des éléments qui vous permettront de pouvoir pallier, parer au problème, essayer de faire face à la source du mal pour que vous puissiez être en paix. C'est pourquoi, selon l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté.